Bonjour tout le monde, je suis le professeur Ben Ali. On va voir ensemble les notions fondamentales de raffinage des ressources fossiles. Mais à vrai dire, ce que nous allons voir, c'est seulement le cas du pétrole. Enfin, comme vous le savez, les ressources fossiles, généralement, il y en a trois. Le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Il y a aussi le gaz de schiste, mais bon, on va citer que ces trois-là. Dans le cas du gaz naturel et du charbon, il y a aussi un certain nombre de traitements, physico-chimiques, bien sûr, pour produire des composés qui sont plutôt équivalent à ce que on peut dériver du pétrole. Les trois ressources en quelque sorte jouent le même rôle, sauf que dans le cas du gaz naturel et du charbon, eh bien, il ne s'agit pas de proprement de raffinage, mais d'autres traitements. Et je ne crois pas qu'on aura le temps de voir ces notions concernant le gaz naturel et le charbon. Bon, concernant le pétrole, eh bien, je dirais, à la fin de ce cours, ben, ne croyez pas que c'est un cours qui permet à quelqu'un qui l'a suivi d'être un spécialiste dans le cas de raffinage de pétrole. Sinon, ben, c'est juste un certain ensemble de notions qui restent à l'état fondamental pour avoir, je dirais, une certaine culture générale en ce qui concerne ce domaine qui est le raffinage de pétrole. C'est très bien. On va, pour commencer, je vais chercher le document sur lequel on va travailler. Voilà, c'est fait. Et donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, il s'agit que de raffinage de pétrole. Alors, je cherche autre chose. Voilà. C'est très bien. Bon. Voilà. Donc, quelques renseignements, informations tout d'abord sur l'aspect énergétique. Normalement, c'est un master qui concerne l'énergie, sa production, sa consommation, ses transformations et ainsi de suite. Donc, vous devez être en possession de pas mal d'informations concernant les énergies de toutes sortes. Là, c'est une diapositive qui nous montre la production totale d'énergie. Voilà. Donc, c'est la production totale d'énergie primaire dans le monde en 2012. Donc, je dirais, il y a maintenant 8 ans. Eh bien, si on regarde attentivement ce diagramme, on voit que pour produire de l'énergie, on est encore largement dépendant des ressources fossiles, à savoir, dans le cas du pétrole, par exemple, eh bien, vous avez
Voilà, 31,4%. Le charbon, 29%. Et le gaz naturel, 31, plutôt 21,3%. Eh bien, si je fais la somme, 21 plus 29, ça fait 50. 50 plus 31, ça fait 81. Donc, c'est un pourcentage qui dépasse les 80% en ce qui concerne les ressources fossiles. Il y a le nucléaire avec 4,8%. L'hydroélectricité, c'est 2,4%. Biocarburant et déchets, 10%. Et les autres qui sont en plein d'études et d'amélioration, je dirais, c'est la géothermie pour les pays qui en possèdent, bien sûr. Sinon, vous avez le solaire, tel que le cas des pays qui ont un ensoleillement suffisant durant l'année. Les éoliens pour les régions où il y a du vent. D'accord? Mais ça reste touche, je dirais, cette catégorie d'énergie des renouvelables, hydroélectricité renouvelable aussi, biocarburant aussi. Mais les autres types, tels que la géothermie solaire et l'éolien et d'autres, bien normalement, ça nécessite encore un grand développement. Donc 1,1%, c'est pas grand-chose, mais ils sont en train d'évoluer. Et pour espérer remplacer les ressources fossiles dans quelques décennies, je suppose, eh bien, il faut que ce côté-là d'énergie renouvelable soit bien développé et amélioré, bien sûr, pour qu'on puisse remplacer le pétrole, surtout le pétrole, parce que les transports, par exemple, se basent pratiquement que sur le pétrole. Le gaz naturel et le charbon, ils ont d'autres applications, telles que le charbon, par exemple, dans les centrales thermiques. Bien pour chauffer l'eau, produire de la vapeur à une certaine pression, qui fait qu'on a la possibilité de faire tourner les turbines et de produire de l'électricité, eh bien, on va utiliser le charbon. Ici aussi, on peut utiliser le gaz naturel pour la même chose, sauf que le gaz naturel, normalement, il a d'autres applications. Ben, c'est la combustion directe du gaz naturel pour avoir de la chaleur. Et donc, puisque c'est un gaz, alors il est, je dirais, entre guillemets, facile à faire transporter dans des tuyauteries. Donc, ce qui fait que, dans le cas des pays occidentaux, par exemple, comme ici on a des installations, un réseau de distribution de l'eau, eh bien, on trouve chez eux un réseau de distribution de gaz aussi. C'est pas comme nous, enfin, le gaz est utilisé en bonbonne. Bon, donc, ce qu'on peut dire sur cette diapositive, ou bien la conclusion qu'on peut tirer de cette diapositive, c'est que notre dépendance vis-à-vis des ressources fossiles, ça va s'étaler sur quand même quelques décennies. Alors, j'espère personnellement que le nombre de décennies dans lesquelles on va dépendre encore des pétroles soit le plus petit possible, parce que au-delà de. Enfin, si sa situation s'étale sur un temps plus ou moins assez élevé,
Normalement, ce qu'on aura, eh bien, c'est que dans le cas de pétrole, par exemple, eh bien, les gisements ou bien la production du pétrole va diminuer. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de pic de pétrole. Pic de pétrole, eh bien, c'est le pic ou bien le sommet que représente la courbe de production ou bien consommation du pétrole. Normalement, cette production, puisque les réserves sont limitées, bien un jour ou l'autre, on aura une diminution de ces réserves de telle sorte à ce qu'on ne peut plus produire de la même manière. Et donc, la quantité de pétrole extraite, produite, sera diminuée de plus en plus. Donc, on va passer par un maximum, et ce maximum correspond à ce qu'on appelle le pic de pétrole. Et vu qu'on aura cette diminution, eh bien la diminution de la production du pétrole, il faut bien la remplacer par autre chose. Et je crois que vous avez entendu parler de la transition énergétique. Cette transition, eh bien on l'imagine de différentes façons. On peut citer, par exemple, l'utilisation de l'hydrogène comme vecteur énergétique à travers les piles à combustible. Et ceci, bien sûr, va normalement, sa technologie de piles à combustible, elle est assez mûre, je dirais. Sauf que, je sais pas, on présente ce qu'on appelle des verrous de l'application de cette technologie. Ces verrous, c'est-à-dire en quelque sorte les obstacles qui empêchent cette technologie de se développer et de se commercialiser, donc devenir commercial. D'une part, parce que peut-être bien, parce que le platine intervient dans la conception, dans la constitution de la pile à combustible. Et ce platine, ben, il n'est pas, ou bien je dirais, il est produit dans très peu de pays. Et donc, si jamais on passe à cette technologie, eh bien, ces deux pays, je dis bien deux pays, peut-être il y en a trois ou quatre, bien les pays qui possèdent le platine vont, je dirais, imposer un certain nombre de choses que peut-être le reste des pays ne veulent pas. Et donc, c'est un problème, je dirais, géopolitique. Ou il s'agit vraiment d'obstacles technologiques. On parle par exemple de problèmes liés au stockage de l'hydrogène, au transport de l'hydrogène aussi, et la stabilité de la pile. Et par conséquent, donc, la chose reste entre les deux. Cette pile à combustible, malgré le fait qu'elle est déjà mûre, d'un point de vue technique, elle ne voit pas le jour commercialement, soit parce que les décideurs dans le domaine ne veulent pas sa commercialisation parce que ça va affecter un certain nombre de choses, ou bien, c'est vrai, il y a des problèmes je dirais, de problèmes techniques, technologiques, si vous voulez, pour commercialiser la technologie. Et donc, ça la rend encore moins compétitive vis-à-vis des technologies déjà installées. Ben, c'est la technologie qui est liée à l'industrie du pétrole. C'est bien. Alors, maintenant, si on passe à la diapositive suivante,
Vous avez bon, ceci c'est une diapositive qui représente la les différentes utilisations de pétrole. Alors attention, ici on a représenté quelques-unes, mais il y en a d'autres, bien sûr, qui utilisent les dérivés de pétrole, tels que, par exemple, le fait de paver les rues, les routes avec de l'asphalte, ça utilise le pétrole aussi. Mais sinon, vous avez tout ce qui lie, surtout sur le point de transport, le côté transport, eh bien, que ce soit transport terrestre, maritime ou bien aérien, eh bien, ils ont tous besoin de dérivés de pétrole ou bien des carburants qui sont issus de pétrole pour qu'ils puissent faire marcher leur moteur et donc se déplacer. Il y a aussi cet aspect chauffage. L'aspect chauffage, je dirais, un peu moins, il est moins dépendant du pétrole que le transport. Parce que, comme vous le voyez ici, il y a une bonbonne à gaz. Il y a une bonbonne à gaz. Ça, c'est du butane et le propane qui vient du pétrole, c'est vrai. Mais sinon, il y en a. Donc, je veux dire, au niveau européen, on utilise la plupart des pays que j'ai visités. Eh bien, c'est un réseau de distribution, mais qui distribue le gaz naturel et non pas les gaz qui viennent du le pétrole, enfin, je crois. Et donc, je dirais cet aspect de chauffage, il est moins dépendant du pétrole. Sinon, vous avez l'industrie chimique et la pétrochimie. Il y a un certain nombre d'intermédiaires chimiques, de composés chimiques, dont l'industrie chimique et la pétrochimie ont besoin, et par conséquent, donc, enfin, en tout cas, tout ce qui tourne autour du plastique, eh bien, ça vient du pétrole. Et donc, encore une fois, c'est une autre utilisation. Et vous savez combien le plastique a remplacé d'autres matériaux tels que les outils métalliques, les outils en bois, les outils en d'autres. Il y a plusieurs, je dirais, applications du plastique qui vient du pétrole. C'est bien. Donc ça, c'est. Mais attention, je reviens pour dire que la totalité des utilisations de pétrole, eh bien, ne se limite pas à ces trois choses, à ces trois aspects. Et il y en a d'autres que j'ai pas représentés sur la diapositive, bien sûr. Alors. Maintenant, voilà. C'est bien. Alors ici, je dirais, c'est de l'historique. Si la courbe en rouge représente la production du pétrole brut à l'échelle mondiale, bien sûr, et les unités sont des millions de barils par jour. Alors ici, on peut imaginer qu'il s'agit de. Voilà. Donc la valeur que je peux lire sur la figure, enfin, c'est entre 4 et 5 millions de barils par jour. On est parti donc de cette valeur jusqu'à
arriver à 2018 à 100 millions de barils par jour. Alors, 100 millions de barils par jour, c'est pas rien, c'est une quantité énorme qu'on consomme par jour à l'échelle planétaire, bien sûr, mais sinon, donc vous voyez que cette courbe de, alors je dis production, je dis consommation aussi, parce que tout ce qui se produit se consomme, ou bien la quantité produite, elle est consommée aussi. Et donc vous voyez que vous avez cette augmentation qui est assez accrue. Ben, c'est une augmentation rapide à partir des années 1950 et qui se prolonge jusqu'à 1970 à peu près. Eh bien, cette époque, eh bien, c'est une époque qui vient juste après la guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale. Et ma foi, on avait des choses à reconstruire, à réparer et à mettre des, enfin, construire de l'infrastructure dans les pays qui étaient en guerre, tels que l'Allemagne, la France, l'Angleterre, enfin, à peu près tous les pays de l'Europe, en tout cas l'Europe occidentale. Et l'Amérique aussi, eh bien, pour reconstruire ce qui a été détruit et en plus construire de l'infrastructure pour l'avenir parce que on était en plein essor en ce qui concerne le progrès industriel, social, enfin, toutes sortes de progrès, si vous voulez. Mais à cette époque-là, eh bien, vous avez une petite chute. Cette petite chute, c'est l'embargo qui a été imposé par l'OPEP à cause de la guerre entre la guerre en Palestine et donc les pays arabes, surtout ceux qui participent ou bien qui figurent sur la liste de l'OPEP, tels que l'Arabie Saoudite, ont décidé de ne plus produire comme punition à l'Europe, à l'Occident d'une manière générale, parce qu'ils sont du côté des Israéliens. Sinon, par après, donc ça c'est, je dirais, après 1970, donc c'est 1971, je crois. Et après, vous avez encore une autre chute, là. Eh bien, celle-là, c'est dû au changement de régime à l'Iran. Donc, enfin, c'était un régime du Shah d'Iran, et puis il y a eu la révolution islamique du Khomeini. Et à partir de cette époque, eh bien, on a eu une chute de. Donc, les événements, les grands événements qui interviennent au niveau mondial, surtout s'il s'agit d'un pays producteur de pétrole, eh bien, ça affecte la production aussi, et donc la consommation. Ici, vous avez une augmentation, d'accord? Une augmentation, je dirais la tendance de la courbe, c'est une augmentation, mais quand même avec des petits pics qui représentent parfois des chutes et puis la remontée, qui ne sont pas très significatives. Sinon, vous avez cette dernière chute, eh bien, c'est 2008, on a eu cette crise financière qui a commencé en Amérique et qui s'est propagée dans le reste des pays européens, tels que l'Espagne, la Grèce, enfin toute l'Europe, et puis les pays comme le Maroc, ils ont senti quand même les effets de. Il n'y avait pas de crise proprement dite, mais on a senti quand même les effets de cette crise.
Bah parce que le marché immobilier, par exemple, n'était plus le même. L'activité dans différents domaines est abaissée et ainsi de suite. Donc, il y a un certain nombre de problèmes liés à l'aspect économique de l'économie financière et économique des différents pays. Alors, ce qui nous intéresse, donc, c'est sa courbe de production. Ah, donc, c'est aux alentours de 2012 aussi, voilà. Et finalement, en 2018, comme je l'avais dit tout à l'heure, eh bien, vous avez ce seuil de 100 millions de barils par jour. Eh bien, on l'a atteint et je crois qu'on l'a largement dépassé maintenant parce que, enfin, entre 2018 mettons-le en 2021, au moins 2 ans, donc 2 ans et quelques, normalement, on doit avoir, je suppose, hein, je suppose, si on a toujours de la croissance, on aurait quand même relativement dépassé les 100 millions de barils par jour. C'est bien. Alors, maintenant, on va voir. Voilà. Bon, c'est très bien. Et si, bien sûr, cette figure, cette représentation représente la répartition de la production mondiale de pétrole en 2012. Alors, comme vous le voyez, il y a un certain nombre de pays. Donc, je dirais, c'est le cas de. C'est le cas de l'Arabie Saoudite, la Russie, les États-Unis, la Chine, le Canada, l'Iran et l'Irak. Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je dirais le Koweït aussi. Donc, 8 pays. Alors, au total, ça fait 8 pays qui produisent et on va voir. Alors, pour l'Arabie Saoudite, 13. La Russie 13 aussi, États-Unis c'est 10, la Chine c'est 5, l'Iran, le Canada c'est 4, l'Iran 4, l'Irak 4 et le Koweït 4. Alors cela 4 fois 4 ça fait 16, 5, 21, 31, 44. 44 et puis 58. Donc, les 8 pays, ils contrôlent en quelque sorte 58% de la production mondiale. Ben, vous voyez là, je dirais en quelque sorte la sensibilité de cette répartition, parce que, en effet, vous avez. Oui, pays qui contrôle plus de la moitié de la production, donc ça va intervenir en quelque sorte sur les aspects géopolitiques entre les pays parce que. Eh bien,
cette production ne reste plus que de la production du pétrole. Donc, les pays producteurs vont vendre du pétrole aux pays qui en ont besoin à travers le monde. Mais sinon, ça devient une carte de pression sur les. Comme le peuple a fait en 1971. Et donc, ça crée en quelque sorte des tensions entre les pays à l'échelle à travers le monde, bien sûr. Et donc, si je reviens à cette technologie de la pile à combustible, et s'il y en a, ben, je dirais, j'ajouterai même les autres pays, donc 8, donc ça fait 8 pays, Venezuela 9, Nigeria 10, Angola avec les 2%, eh bien c'est 11. Alors ici, je dirais, il y a 11 pays qui contrôlent plus de 65%, enfin aux environs de 65%. Ben, ça crée déjà des problèmes. Imaginez qu'on va adopter cette technologie de pile à combustible. Enfin, pour les curieux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est qu'une pile à combustible, ils n'ont qu'à taper à la porte de Monsieur Google et normalement, il y a pas mal de documents. Donc, je dirais, c'est une pile comme les autres, sauf que dans le cas de la pile à combustible, eh bien, ils utilisent le combustible hydrogène. Une fois épuisé, on peut remplir le réservoir de l'hydrogène. Et donc, c'est une pile qui marche, je dirais, d'une manière continue jusqu'à ce qu'il devienne instable ou qu'il soit, qu'il devienne défectueuse ou quelque chose comme ça. Bon. Donc, si on revient à ce problème de la pile à combustible, ici, nous avons déjà 11 pays qui contrôlent, enfin, contrôlent entre guillemets, bien sûr, la production mondiale du pétrole. Imaginez que dans le cas de la pile à combustible, il y aura beaucoup moins de pays qui contrôlent la production du platine. Ben, donc, vous allez imaginer. Je dirais les tensions que ça pourrait créer entre les pays producteurs et les pays consommateurs, et même, je dirais, entre les pays producteurs pour contrôler et gérer la production et la commercialisation, bien sûr. Donc, je ne sais pas, peut-être que dans le cas de la pile à combustible, il y a peut-être d'autres raisons pour lesquelles cette technologie n'a pas vu le jour sur le commerce. C'est bien. Alors, je vais passer. Maintenant, on va s'intéresser au pétrole lui-même. Alors, le fait de s'intéresser au pétrole lui-même, bien, on va s'intéresser à sa composition élémentaire, c'est-à-dire on va voir quels sont les éléments qu'il contient, les éléments chimiques bien sûr, qu'il contient et à quel pourcentage. Alors vous avez ici normalement de 2... le carbone et l'hydrogène. Donc ces deux-là sont les constituants principaux du pétrole. Et on voit que le carbone, ça représente entre 83 et c'est un pourcentage massique, bien sûr. Alors de 83 à 87%, l'hydrogène de 4 à 14%. Sinon, le reste, eh bien, c'est plutôt de petits pourcentages. Alors, si le pétrole ne contient que du carbone et de l'hydrogène, le raffinage du pétrole, ça aurait été
beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans les raffineries. À cause de ces impuretés, l'azote, l'oxygène, surtout le soufre, donc le soufre et les métaux lourds, bien, enfin les métaux, eh bien, normalement, les traitements au niveau de la raffinerie vont tenir compte de ces impuretés. Il faut l'éliminer au maximum et donc leur teneur doit être la plus faible possible. Mais en tout cas, ils doivent respecter les normes, les directives concernant les normes de teneur de ces éléments dans les produits pétroliers et en particulier les carburants. Alors, donc on le voit bien sûr, le carbone et l'hydrogène sont les principaux constituants du pétrole. Ça, donc c'est la première conclusion qu'on doit tirer. Et vous avez si on compare, parce que lorsque les carburants issus de pétrole, lorsqu'ils sont utilisés dans des moteurs à combustion, eh bien, c'est de la combustion qu'il s'agit. Et donc, je dirais, c'est de l'énergie calorifique libérée à cause de la combustion. Ou bien grâce à la combustion de certaines, enfin des hydrocarbures qui contiennent du carbone et de l'hydrogène, une comparaison est faite entre la combustion du carbone et la combustion de l'hydrogène. Mais lorsqu'un kilogramme du carbone est brûlé, vous avez 33 520 kilojoules qui sont libérés, de l'énergie libérée, bien sûr. Dans le cas de l'hydrogène, eh bien, c'est la même chose, c'est un kilogramme, mais lorsqu'on le brûle, c'est 143 060 kilojoules d'énergie qui sont libérés. Donc, le facteur, elle est là, elle est de. Donc, l'hydrogène libère à quantité égale en kilogramme, bien sûr, l'hydrogène va libérer 4,27 fois plus d'énergie que le carbone. D'accord? Donc, si on veut, le pourcentage de l'hydrogène augmente dans l'hydrocarbure, eh bien, normalement, cette hydrocarbure sera plus énergique, c'est-à-dire elle va libérer plus d'énergie que lorsqu'on assiste à un hydrocarbure, plutôt à un carburant qui contient moins d'hydrogène. Alors, ceci dit, on va passer maintenant de quoi est constitué le pétrole. On a bien dit que il s'agit donc de ces deux éléments. Le carbone et l'hydrogène sont les constituants les plus importants, ou bien les principaux constituants du pétrole. Mais attention, ces éléments, eh bien, que ce soit le carbone ou bien l'hydrogène, de point de vue liaison chimique qu'ils peuvent constituer. Dans le cas de l'hydrogène, le cas est simple. Ben, vous avez un hydrogène établi toujours une liaison de type sigma avec un atome qui va avec lequel il va se lier. Par exemple, il va se lier avec H, un autre atome H, et bien ça serait une molécule H2. Et la liaison est sigma, donc il est assuré, une liaison covalente, sigma, assurée par un doublet électronique de liaison, donc un doublet liant entre les deux atomes d'hydrogène. Si l'hydrogène se lie à un autre atome, par exemple dans le cas de H2O, eh bien là aussi, on a toujours une liaison simple, sigma, covalente, avec bien sûr
la mise en commun de deux électrons, un électron qui vient d'hydrogène, un électron qui vient de l'oxygène. Et dans le cas de H2O, eh bien, pardon, si je dirais, si on a l'établissement de deux liaisons HO, ou bien OH, si vous voulez. Revenons maintenant au carbone. Eh bien, le carbone, normalement, il est. Elle est là, et on voit qu'il a la possibilité de former quatre liaisons. Donc, il est tétravalent. L'hydrogène, il est monovalent, alors que le carbone, il est tétravalent. Dans le cas de l'hydrogène, pas de problème, c'est toujours la même chose, la liaison sigma covalente, et ainsi de suite. D'accord? Dans le cas du carbone, ici, on a représenté quatre liaisons, la possibilité de faire quatre liaisons, mais cette représentation qu'on a ici correspond à ce qu'on appelle l'hybridation SP3. On peut avoir SP2 aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore des cours de liaison chimique que vous avez vu en première année de la licence, bien sûr. Et ici, c'est SP. Et ici, c'est SP2. Alors, dans le cas de SP2, vous avez ici, vous avez une géométrie tétraédrique, et dans le cas de SP2, vous avez une géométrie triangulaire plane, bien triangulaire. Vous avez un carbone, et on aura sûrement une double liaison, et puis les deux autres liaisons. Donc, au total, le nombre de doublés, ça ne change pas. Nous avons 1, 2, 3 et 4. Ici, 4 aussi. Mais le type de liaison change. Ici, pour SP3, on n'a que des liaisons sigma, alors que dans le cas de SP2, par exemple, eh bien, nous avons une liaison P qui est là. D'accord? Celle-là est sigma et l'autre P. Dans le cas de SP, je dirais l'hybridation SP, eh bien, il s'agit d'une géométrie linéaire et vous avez soit triple liaison avec une liaison simple, soit double liaison des deux côtés. Si c'est le cas de CO2, par exemple, et CO2, c'est une molécule linéaire, comme le cas ici, et donc vous avez là, je dirais, la géométrie linéaire. Enfin, je ne vais pas m'attarder là-dessus trop, mais j'attire votre attention quand même sur le fait que nous avons toujours les quatre doublés électroniques. Donc ici, vous avez 2 et 2, ça fait 4. Ici, 1 et 3, ça fait 4. Ici, 2 et 2, ici, ça fait 4. Ici, c'est 4. Donc c'est toujours la tétravalence, quel que soit le type d'hybridation, la tétravalence du carbone est respectée. Alors, donc, enfin, tout cela pour vous dire que le carbone va normalement former déjà les liaisons carbone-carbone, ben, elles seront assez différentes d'une molécule à l'autre. Et en plus, on a les liaisons carbone-hydrogène. Alors, ici par exemple, dans le cas des paraffines, ce sont des alcanes, si vous voulez. Eh bien, dans le cas des paraffines, vous avez des chaînes linéaires ou bien ce qu'on appelle chaînes ramifiées. Ramifiées, c'est-à-dire il y a ramification de la chaîne à un niveau, au niveau de cet atome de carbone. Eh bien, on a le prolongement de la chaîne en deux branches ou bien, voilà, en deux rames, si vous voulez. Et par conséquent, vous avez cette configuration qui n'est pas la même que celle-là, alors que dans les deux cas, on peut avoir la même formule chimique. La formule chimique brute, bien sûr, qui n'est pas développée comme ici. Bon, donc, les paraffines,
sont des chaînes soit linéaires, soit ramifiées. Les naphtènes, eh bien, sont des composés cycliques. Alors, les composés cycliques, ici, par exemple, il s'agit de cyclohexane. Ici, cyclohexane avec un radical, d'accord? Avec un radical éthyle, si vous voulez, donc deux atomes de carbone. Et puis, il y a les composés aromatiques qui sont liés au benzène. Celui-là, c'est le benzène. Et ça, c'est un autre composé aromatique, eh bien, un composé, enfin, deux composés, deux benzènes, par exemple, qui vont se lier entre eux, et pour donner deux molécules avec deux noyaux, ou bien, comme le cas de cette molécule, pour avoir trois groupements benzènes attachés l'un à l'autre. Mais attention, faites attention au nombre de liaisons. Ici, on a trois, mais les deux autres, il n'y en a que deux. Donc, ce qui nous intéresse, vous avez des paraffines, vous avez des naphtènes, vous avez des aromatiques, mais malheureusement, on a aussi des composés qui contiennent le soufre, donc hétéroatomes, l'azote aussi. Pour les olefines, ils ne se trouvent pas à l'état naturel. Qu'est-ce que c'est que les olefines? Eh bien, ce sont tout simplement des composés organiques qui contiennent au moins une double liaison. Et cette double liaison, elle est, disons, de point de vue réactivité, elle est très active. Et par conséquent, vu l'âge du pétrole, eh bien, toutes les doubles liaisons ont eu, je parle des doubles liaisons d'olefine, attention, parce que ici dans le benzène, dans les composés aromatiques, il y a des doubles liaisons aussi, mais ils ne sont pas équivalents. Donc, je parle des doubles liaisons dans les olefines, ils ont largement le temps pour réagir et devenir autre chose que les olefines. D'accord? Mais les olefines, lorsque on traite le pétrole, il y aurait sûrement une quantité d'olefine dans les dérivés du pétrole, après les transformations qu'on fait subir au brut, bien sûr. Donc, si vous voulez, déjà, le raffinage, bien, ça consiste à enlever le soufre, par exemple, et l'azote, d'accord? Et les autres métaux, qui se trouvent dans le pétrole comme impuretés, comme contaminants, bien sûr. Moi, j'y passe. Alors, une autre caractéristique du pétrole, eh bien, c'est parce que tous les pétroles qui viennent de différents gisements ne sont pas tout à fait équivalents, bien sûr. Et je dirais qu'il faut avoir des moyens pour les caractériser. D'accord? Ici, je vais évoquer seulement le cas de la densité et la teneur en soufre. Mais sinon, pour ceux qui se spécialisent dans le domaine, bien, je dirais, il y a plus d'une dizaine, et je dirais même plus de caractéristiques ou bien de propriétés, et je parle là du propriété du brut, qu'il faut examiner avant d'envoyer le pétrole dans la raffinerie. Parce que pour chaque type de pétrole, il faut faire des adaptations, je dirais, au niveau de la raffinerie pour traiter le type de pétrole qu'on a
qu'on a sur l'imam, si on veut, entre guillemets. Et donc, pour cela, on mesure, on réalise un certain nombre, on fait un certain nombre de tests pour déterminer les propriétés physiques et les propriétés chimiques du pétrole avant de l'envoyer dans la raffinerie, bien sûr. Mais si j'ai évoqué parmi ces propriétés, eh bien, j'ai évoqué une propriété physique telle que la densité et une propriété chimique telle que la teneur en soufre. Alors, la densité, vous avez un brut léger, c'est lorsque sa densité est entre 0,8 et 0,83. Donc, grammes par litre, bien sûr, attention. Et dans le cas des bruts moyens, eh bien, s'il rentre 0,83 et 0,89. Et une densité qui se trouve supérieure, ou bien un brut qui présente une densité supérieure à 0,89, eh bien, il est qualifié de brut lourd. Voilà donc, déjà, en mesurant la densité, on a moyen, enfin, on a un moyen de qualifier les pétroles, est-ce qu'il est léger, moyen ou bien lourd? Alors, léger, moyen, lourd, pourquoi? Tout simplement parce que si on s'intéresse à l'essence, par exemple, eh bien, elle est plutôt constituée de molécules légères et non pas de molécules qui ont une chaîne assez grande. Et par conséquent, on imagine bien que un brut léger va produire plus d'essence qu'un brut lourd. Et je crois même que le prix d'un brut léger est toujours meilleur ou bien un peu cher par rapport au brut lourd. Donc ça, c'est en ce qui concerne la densité. Dans le cas du soufre, eh bien, vous avez le, donc, je vais prendre de quoi dessiner. Dans le cas du soufre, eh bien, vous avez quand même ici BTS. Alors, BTS, c'est basse teneur en soufre. HTS, c'est haute teneur en soufre. D'accord? Alors, la basse et la haute teneur en soufre, ça correspond à quoi comme valeur? Eh bien, lorsque le soufre est inférieur à 0,6% en poids, on parle d'un soufre je dirais, dont la teneur est plutôt basse. La teneur en soufre est plutôt basse. Alors que s'il est supérieur à 1,5 en poids, elle est, ou bien, le brut en question aura une haute teneur en soufre. Et vous imaginez bien, puisque le soufre, c'est un contaminant, eh bien, dans le cas de la haute teneur en soufre, il faut un traitement, je dirais, un traitement consommateur de l'hydrogène, parce qu'il s'agit bien d'un hydrotraitement en présence d'hydrogène pour éliminer le soufre sous forme de H2S, la molécule H2S qui est un gaz. Et donc, lorsqu'on a la haute teneur en soufre, vous imaginez bien que la consommation d'hydrogène serait plus grande et peut-être que d'autres facteurs ou bien d'autres d'autres facteurs qui vont intervenir, qui interviennent plus tôt, qui se verront demandeurs en investissement. Et donc, un brut à basse teneur en soufre est toujours préféré par rapport au un brut qui contient beaucoup de soufre. Voilà, j'efface.
Ici, bah, je vais reprendre tout simplement. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de voir. Que ce soit pour le soufre ou bien pour la densité, ce sont les données de la diapositive qu'on vient de voir. Et là, vous avez des bruts de différentes origines. Alors, oral, arabe, bajak, dolvity, brent, col. Donc, ce sont je dirais, des indications qu'on utilise assez souvent dans le domaine, donc ils sont reconnaissables si vous voulez. Mais sinon, je reconnais ici, moi, l'arabe. D'accord. Et donc, vous avez, dans le cas, enfin, des différents, peu importe l'origine du pétrole, dans le cas de la densité, eh bien, vous avez ici 831, 832, et là, on parle de. Donc voilà, brut moyen. Oui, 170, ben c'est un moyen aussi. Il se trouve dans sa deuxième fourchette. 867, toujours la même chose. Ben à peu près, tous les pétroles qu'on a ici se trouvent. Attendez, il y a. Oui. Mais celui-là, ça dépasse largement les 890. Et donc, c'est un brut avec une densité, enfin, avec une teneur en soufre vraiment très, très, plutôt une densité qui est assez élevée. Et cette densité s'accompagne de la teneur en soufre aussi. C'est-à-dire que la plus grande teneur en soufre, on la trouve dans les composés ou bien dans les bruts les plus denses, donc qui ont la densité la plus grande. C'est bien, donc vous voyez, dans le cas du soufre, eh bien c'est 0,4, c'est entre les deux, plutôt 0. Oula, inférieur à 0,6, c'est bon, donc c'est un BTS. Là aussi, c'est un BTS, BTS. Là, c'est un cas particulier entre les deux. Ben, il n'est ni BTS ni HTS, mais on peut qualifier d'intermédiaire entre les deux parce qu'il se trouve entre les deux bornes. D'accord? Et donc, c'est de la qualité intermédiaire entre les deux. Et puis vous avez 2,35 et 2,24. Ben vous voyez que la teneur en soufre, ça suit la densité. Ici, nous avons la teneur, ben, en comparant ces deux-là, eh bien, ils ont la teneur en soufre la plus grande parce qu'ils ont des densités assez élevées aussi. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire là encore? Ben pour l'azote, c'est 0,14, mais l'azote, je dirais que ça ne présente pas un grand obstacle parce que, de toute façon, lors de la combustion, dans un moteur à combustion, bien sûr, lorsqu'on fait l'admission de l'air, eh bien, les 4 cinquièmes sont de l'azote et seulement le 1 cinquième à peu près, c'est de l'oxygène. Donc, l'azote, il y en aura toujours. Et d'ailleurs, je dirais, on a même des études catalytiques concernant le procatalytique pour éliminer les oxydes d'azote et les transformer en la molécule N2 au lieu de l'I6 sous forme d'oxyde. Alors, les métaux, vous avez quand même, c'est à l'ordre de ppm, c'est 13, 7, 34, donc, et celui-là, bien sûr, il est assez élevé en. Qui concerne la teneur en métaux et donc
Il faut chercher un moyen pour se débarrasser des métaux qui se trouvent dans le cuir. Pensez bien, je vais revenir sur la présentation, charger Ben voilà, donc maintenant la question qui se pose, je vais revenir sur cette diapositive pour encore une fois rappeler les besoins ou bien qui sont les produits finaux qu'on désire produire. Donc, les produits ou bien les carburants pour les différents types de transport, les intermédiaires de l'industrie chimique et puis la partie concernant, en tout cas ici au Maroc, qui concerne les bonbons à gaz. Bien sûr, il y a d'autres parties ou bien d'autres utilisations de dérivés de pétrole, bien sûr. Alors maintenant, comment va-t-on faire? Eh bien, tout d'abord, regardons cette diapositive. Eh bien, ça montre le véhicule Peugeot. Parmi les tout premiers, c'était le Peugeot 201, puis par après 202. 203, je me rappelle un tout petit peu. Mais 204, ça je me rappelle très très bien, parce que nous avons quand même au niveau du collège, c'est-à-dire avant Tenawi, nous avions des professeurs français qui dispensaient des cours de français ou bien de mathématiques, physique aussi, parce que c'était en français. Et donc, je me souviens qu'à peu près tous les enseignants français, ils avaient la 204, elle était encore une voiture toute moderne. Et donc, on les regardait avec un certain envie. Pourquoi pas nous? D'accord? Mais donc, par après, eh bien, vous avez eu la 205, je crois qu'il y en a encore qui roule, puis 206, 207, 208. Mais en tout cas, je dirais que cette diapositive montre l'évolution de la voiture. Alors, si je compare la toute première avec la toute dernière 208, est-ce que, je pose la question, est-ce que la technologie dans la 201 est la même que dans la 208? Bien non. Et si c'était juste le nécessaire pour se déplacer, alors qu'ici, eh bien, il y a eu quand même Enfin, c'est bien maintenant qu'il y a toutes ces technologies qui parfois ne servent à rien, détecteurs de pluie, détecteurs de je ne sais pas quoi. Et l'allumage automatique des phares. Mais sinon, il y a d'autres progrès au niveau de la sécurité, tels que au niveau du freinage, il y a plusieurs types de systèmes qui sont incorporés dans la voiture pour un meilleur freinage, parce que le freinage, c'est souvent un freinage brusque, c'est souvent la cause de l'accident. Et donc, ben, je ne vais pas citer toutes les technologies. Et d'ailleurs, je ne m'y connais pas assez pour en faire un discours. Mais sinon, donc, vous imaginez très bien, on peut imaginer facilement la différence en termes de technologie entre les deux voitures. 201 et 208. Et il y en a aussi entre 208 et 207, et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, lorsqu'on passe d'une génération à l'autre de voiture, eh bien, la technologie change, ça c'est sûr. Donc, tout au long de 201 jusqu'à 208, ben, il y a eu une évolution technologique incontestable. Maintenant, de point de vue carburant,
Est-ce que le carburant qu'on utilisait dans cette voiture est le même que celui-là? Et je dirais même, le carburant utilisé dans celle-là, est-ce que c'est le même que 205, 206? Pourquoi pas? Tout cela pour dire que si il y a une évolution dans le cas de la conception et la construction de voitures, il y a une évolution parallèle en ce qui concerne la qualité du carburant qu'on utilise dans les voitures pour la combustion, bien sûr. Donc, si vous voulez, voilà, c'est une autre diapositive qui parle, qui présente la même chose. Voilà, parmi les toutes premières voitures, donc juste un siège, un petit moteur, donc juste le nécessaire pour se déplacer correctement. C'est là aussi. Je dirais, j'ai pris cette photo comme voilà. Donc c'est la première parmi les toutes premières voitures. Et on voit ici déjà une petite évolution par rapport à ce que nous avons ici. La troisième photo, on va un peu choisir une succession de photos aussi grande qu'on veut, mais juste pour vous dire, ben, le passage de cette voiture à celle-là, il y a eu beaucoup de changements technologiques, que ce soit au niveau de la construction de la voiture, mais bien sûr au niveau du carburant. Le carburant a évolué avec l'évolution de la voiture. Alors ici, en 1770, on parle de voiture à... On parle de voiture à gaz, à vapeur, pardon. Puis 1807, voiture à gaz. Et la voiture à pétrole, 1899, c'est la voiture électrique. Ben, tout cela n'existe plus. Alors, à vapeur, je suppose qu'il fallait produire de la vapeur, d'accord? D'une manière ou d'une autre, on doit avoir de la vapeur pour propulser la voiture. La voiture à gaz, à vrai dire, je ne sais pas en quoi ça consiste, mais je dirais qu'il faut avoir un certain moyen pour faire avancer la voiture. Sinon, la voiture à pétrole, donc je suppose qu'il s'agit de la combustion. Et la voiture électrique, c'est un moteur électrique. Donc à chaque fois, vous avez on utilise une substance différente pour faire avancer la voiture. Et puis, les voitures du futur, c'est sans telles qui... Il y en a aussi, je dirais même après 1889, eh bien, il y en a eu des voitures qui marchaient, malheureusement, ce n'est pas spécifié ici, qui marchaient à l'éthanol. Donc, des moteurs qui ont été adaptés pour l'utilisation de l'éthanol. Mais vu que l'éthanol, son prix est quand même cher par rapport aux dérivés de pétrole, eh bien, les moteurs à éthanol ont cédé la place pour les moteurs à combustion qui utilisent l'essence et le diesel pour propre. D'accord? Donc, je dirais, il y a toute une évolution en ce qui concerne, et d'ailleurs, je dirais même au niveau des raffineries. Au niveau des raffineries, normalement, vous avez les toutes premières raffineries, c'était des raffineries aussi simples que celle de Sidi Kassam, par exemple. Vous savez qu'il y a une raffinerie à Sidi Kassam. Eh bien, c'est
Ça s'arrête, je dirais, peut-être au niveau de la première séparation à pression atmosphérique pour avoir les différentes coupes, bien sûr. Mais sinon, actuellement, des raffineries qui n'ont pas su s'adapter au développement technologique et aux directives qui imposent les normes environnementales, par exemple, bien ils ont dû soit se fusionner ou bien arrêter leur activité tout simplement. Parce que si on produit, si on demande un carburant avec un taux de soufre moins de 10 ppm, eh bien, si on produit donc un carburant avec plus de soufre, ben, il ne sera pas commercialisé parce qu'il ne respecte pas les normes. Mais si on cherche à éliminer l'excès de soufre, ben, on applique une nouvelle technologie et donc on va investir davantage et on se trouve avec un carburant, de point de vue environnemental, elle respecte les normes, mais dont le prix de revient, elle est plus élevée par rapport aux autres. Donc on serait moins compétitif. On ne peut pas s'imposer donc au niveau du marché. Sauf si je ne sais pas, il y aurait une pénurie en carburant, peut-être qu'on pourrait intervenir. Mais sinon, si les autres raffineries assurent en quantité suffisante un carburant plus propre avec un prix plus bas, eh bien les raffineries qui n'ont pas su s'adapter aux nouvelles normes, elles ont dû soit se fusionner, donc se mettre ensemble pour avoir les moyens financiers de s'adapter. Ou bien, carrément, si c'est toute activité, donc fermer la porte et déclarer faillite. D'accord? Donc, je dirais, tout au long de l'époque, ou bien de la première voiture jusqu'à nos jours, il y a eu le carburant a connu différentes situations, différentes positions en ce qui concerne le type de carburant, sa composition, sa propreté, ses normes, les normes imposées, ainsi de suite. Si on parle par exemple de la teneur en soufre, ben, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'essence à 350. Bien, 350, c'était la norme maximale du soufre en ppm. Puis nous avons eu d'autres normes, d'autres limites qui sont inférieures à 360. C'est bien. Alors, je vais passer quand même à la diapositive suivante. Voilà, donc ici, ce sont des textes que j'ai trouvé quelque part et que j'ai recopié sur la diapositive. Alors ici, le monsieur Zip, tout automobiliste qui se respecte se considère comme un expert dans le domaine de la conception et de l'exploitation d'une voiture.
Elle connaît très bien l'apparence de la voiture, les phares, les pneus, les sièges, le fonctionnement du moteur et de la boîte de vitesse, par exemple. Donc, quelqu'un qui s'y connaît en voiture, ben on lui pose la question, elle répond à ce genre de renseignements. Mais si on lui dit, et votre carburant, il est comment? Il a été fait comment? Qu'est-ce qu'il contient? Ben, il va vous répondre, j'ai une voiture qui roule à l'essence. Point. Ou bien j'ai une voiture qui roule au diesel. Et rien d'autre. Il ne saura pas vous donner d'autres informations sur ce qui est le carburant. D'accord? Alors, voilà. Encore d'autres textes que j'ai trouvés par-ci, par-là. Eh bien, aujourd'hui, dans des conditions de concurrence féroce, les constructeurs automobiles modifient leur gamme presque tous les ans, introduisant de nouveaux moteurs, boîtes de vitesse, systèmes de commande électronique, ainsi de suite. Mais qu'en est-il de l'essence au diesel? Il y a 100 ans, il ne s'agissait que de fractions de pétrole ordinaire. Donc, je dis fractions de pétrole ordinaire, c'est-à-dire de partie de l'huile distillée par simple distillation, ou bien séparée par simple distillation. La qualité du carburant ne dépend que de la qualité de l'huile produite. D'accord? Il suffit de dire, donc, attention, cette essence dont on parle ici, l'essence ou bien le diesel, bien dont on parle ici, normalement, c'est normalement, ben on le dit très bien ici, hein, cette partie-là. Une simple distillation. Sachant que la distillation ne fait que séparer les constituants du pétrole. On le verra d'ailleurs par après en ce qui concerne la distillation atmosphérique ou bien la distillation solide. La séparation, c'est-à-dire le pétrole, c'est un mélange de composés. En contact l'un avec l'autre. Il y en a qui sont légers, il y en a qui sont lourds. Eh bien, si on chauffe le pétrole, normalement, ceux qui sont légers, ils vont s'évaporer les premiers. Et cette vapeur, elle est récupérée, condensée, condensateur, et ça redevient liquide. Donc, en quelque sorte, bah ici, je viens de donner le principe simple de la distillation. Attention au niveau de la tour de distillation de pétrole, ça se passe d'une autre manière et donc il est plus compliqué que ça. Mais sinon, le principe est le même, c'est-à-dire que lorsqu'on chauffe le pétrole, ben les produits les plus légers, tels que par exemple le CH4 qui est le méthane, le butane, le propane et ainsi de suite, le cyclohexane et ainsi de suite. Elles vont passer les premiers dans la phase gazeuse. Cette phase gazeuse, une fois récupérée, condensée, ça donne un liquide avec une composition qui est tout à fait différente par rapport à celle du pétrole. Mais là, je répète encore une fois, il n'y a pas de transformation chimique. Il s'agit seulement de séparer les composés qui existaient dans le je dirais dans le pétrole lui-même. Alors, maintenant, donc, la totalité de composés dans le carburant il y a 100 ans se trouvait totalement, donc leur totalité se trouvait dans le produit d'origine ou bien le brut de l'origine et on n'a rien transformé. Toutes les molécules restaient telles qu'elles étaient dans le pétrole brut. On fait juste séparer la partie légère par rapport à la partie lourde. C'est bien.
Alors maintenant, dans cette partie-là, il suffit de dire que dans les sciences modernes, il n'y a plus aucun composant qui n'ait pas subi de transformation au cours du processus de raffinage de pétrole. Il n'existe plus de fraction de traitement normale, telle que dans le cas ici. Le but de ces transformations est de rendre la voiture plus économique, plus fiable et plus respectueuse de l'environnement. Donc ça, c'est autre chose. Mais sinon, ce qui m'intéresse dans cette partie-là, eh bien, c'est que toutes les molécules qui se trouvent dans l'essence, par exemple, ont subi au moins une transformation au cours du processus de raffinage. Processus de raffinage. Bien, c'est tout l'ensemble des procédés de raffinage, donc que ce soit pour, on verra ça par après, le craquage, l'isomérisation, l'alkylation, et l'hydrotraitement, enfin, toutes sortes de traitements qui sont utilisés, qui sont nécessaires pour passer du brut au produit final dans une raffinerie, bien sûr. C'est bien. Maintenant, on va passer à la diapositive suivante pour voir. Donc, le pétrole, dans son état naturel, est inutilisable. Il faut le raffiner. Raffinage de pétrole. Ben, le raffinage du pétrole désigne l'ensemble des traitements et transformations visant à tirer du pétrole le maximum de produits à haute valeur commerciale selon l'objectif visé en général, ces procédés sont réunis dans une raffinerie. Donc attention, une raffinerie, ce n'est pas un seul procédé, mais il y en a plusieurs. Et ces procédés, chacun possède sa propre partie dans une raffinerie. Et ce qui rend les choses plus complexes, c'est que toutes les parties, enfin, pas la totalité, mais généralement, une partie concernant un procédé, elle est reliée à plusieurs autres unités, que ce soit en amont pour l'arrivée de la matière première, ou bien en aval pour donner ces produits et qui vont être traités comme matière première dans un autre procédé. Et ça, je dirais même ce qui rend un petit peu le difficile de concevoir une image claire d'une raffinerie. Et d'ailleurs, je dirais même toutes les raffineries ne sont pas tout à fait équivalentes les unes aux autres. Il y a des raffineries, par exemple, qui intègrent la pétrochimie aussi. Donc, lorsque on aura les intermédiaires pour la pétrochimie, l'industrie chimique, eh bien, on ne va pas les stocker afin de les vendre par après, de les commercialiser par après, mais sinon, eh bien, on continue avec un procédé concernant la pétrochimie. Et on va fabriquer soit des plastiques, soit des, je sais pas, d'autres, enfin les plastiques avec différents types, bien sûr, les plastiques avec des propriétés différentes, soit en faire autre chose. Et donc, ça serait une unité ou bien une raffinerie, y compris la pétrochimie aussi. Alors donc, une raffinerie. Une raffinerie est l'endroit où l'on traite le pétrole pour en extraire les fractions commercialisables. Voilà. Maintenant, le pétrole brut. Eh bien, il y a les gaz de pétrole liquéfié, LGPL, ou GLP. GLP, c'est en anglais, gaz liquéfié de pétrole. Alors, matière première pour l'industrie organique et pétrochimique,
gaz à chauffage et de cuisine, donc la bonbonne à gaz, bien sûr, combustible dans les briques. Voilà, combustible dans les briques, dans la production des briques, bien sûr, pour la construction, je suppose. Les essences combustibles automobiles et petits avions. Éther de pétrole, ben, il est comme solvant. Et nous avons le kérosène léger, kérosène lourd, enfin l'une atelier les deux, réacteur turbopropulseur des avions. Le gazole léger carburant pour les camions, locomotives, les autobus et pour les voitures aussi, parce qu'il y a pas mal de voitures qui roulent au mazout, au gazole. Le gazole lourd, mazout, chauffage domestique et commercial, propulsion de navires et de trains. C'est bien. Les fioul lourds, bitume asphaltique, ben l'asphalte, bardeaux de l'asphalte, peinture, vernis, lac, et ainsi de suite. Il y en a même qui ont été pas mentionnés dans sa diapositive. Par exemple, la graisse. La graisse, ben la graisse a été, elle est encore utilisée dans les parties je dirais, où il y a les trous pour le rassemblage d'une entité industrielle. Eh bien, là où il y a le frottement, on met cette matière qu'on appelle graisse pour éviter le frottement entre les parties métalliques et donc l'échauffement et l'usure des parties métalliques. Sinon, vous avez aussi le quoi d'autre? Les huiles lubrifiantes, donc les lubrifiants. Celui qui a l'habitude d'utiliser une voiture, normalement, après un certain nombre de kilomètres, elle va chez le monsieur qui change l'huile, enfin, pour faire la vidange. Donc, éliminer l'huile qui se trouvait dans le moteur parce qu'elle n'est plus utile, n'est plus efficace, et la remplacer avec une nouvelle huile. Cette huile, eh bien, ça vient du pétrole aussi. D'accord? Je dirais que tous les produits issus du pétrole ne sont pas mentionnés sur cette diapositive, mais ce n'est pas grave. Là, c'est une photo aérienne pour vous montrer l'une des raffineries, mais exactement où, je ne sais pas, je m'excuse. Et vous avez bien sûr cette complexité de la raffinerie, parce que la raffinerie, ce n'est pas un petit endroit où on peut visiter en 1 heure ou 2. Ben, ça s'étend parfois sur des kilomètres. Et comme vous le voyez, il y a des silos de stockage comme ici. Il y a la partie raffinerie, mais je n'arrive pas à la voir. Je suppose qu'il s'agit de cette partie-là, où vous avez, ou ici. Mais je ne sais pas, cette partie-là aussi, je vois qu'il y a des... Voilà. Celle-là, c'est une autre image avec les différents tours. Mais, je vois qu'il y a des cheminées, mais pas les tours de traitement. Si, voilà une, ici, la deuxième, la troisième, celle-là aussi, c'est une tour. Enfin, oui. Et cela, bien sûr, ce sont les silos de stockage des bruts, silos de stockage je dirais, des produits finaux. Là aussi, c'est
C'est clairement une raffinerie avec différents taux de traitement, de séparation. Et ma foi, ça fait une jolie photo pendant la nuit, enfin la nuit, la tombée de l'arrivée de. C'est tout au début de la nuit. Malmar. On voit qu'on peut distinguer encore un petit peu les différentes parties du sol. Mais sinon, eh bien, vous avez cette. Rien que pour illuminer enfin, toutes les lumières, bah, vous imaginez les investissements ou bien le taux d'investissement que nécessite une raffinerie. Et si, je ne sais pas s'il s'agit réellement d'une tour ou bien donc c'est une colonne de distillation. Malheureusement, ici, c'est écrit en Corée, je crois. Et j'arrive pas à lire la banderole qu'il y a là. Mais sinon, eh ben, dans le cas du raffinage de pétrole, on se trouve avec des tours aussi longues que celle-là. Bah, par exemple, 50 mètres. 50 mètres, ça fait quand même 5 fois 10 mètres. 10 mètres, c'est. Oui. Normalement, il peut être une tour de distillation pour un raffinerie, comme ça peut être autre chose. Hein. Donc, il y a aussi différents secteurs de l'industrie chimique où on a besoin d'avoir des tours de traitement, bien des qu'on appelle aussi réacteurs, qui font des longueurs aussi importantes, telles que par exemple dans le cas de synthèse de l'ammoniac, par exemple. On a besoin d'arriver à des pressions et des températures qui sont plus ou moins élevées. Alors, je ne sais pas si je vais continuer. Bah, maintenant, on va passer à, je dirais, au raffinage proprement dit. Donc, on va rentrer dans tout ce qui est raffinage. Bah, je préfère laisser la séance suivante. Merci. Et à la vidéo suivante. Au revoir.